Voilà pourquoi les gros losers qui vident le flacon de parfum pour aller pécho en boîte rentrent souvent bredouilles et sont forcés de soulager leur frustration en insultant les mamans des autres sur Call of. Chaque jour en France, des milliers de bolosses souffrent. N'hésitez pas à vous moquer d'eux. Ceci était un message du ministère des Enculés. Alors, première technique, arrêtez de prendre des douches, soyez à l'écoute de votre odorat et partez en quête du partenaire dont le musque rance saura réveiller l'instinct du Casanova en vous. Et si ça ne marche pas, vous pourrez toujours collecter le smegma qui s'accumulera par manque d'hygiène et ainsi produire du fromage de bite. Ou bien du va-vin, qui, comme tout le monde le sait, est l'appellation AOC du vin de vagin. Je me suis accrochée, j'apprenais tous les soirs, j'apprenais mes textes et tout. Et j'arrive jusqu'à la finale, et à la finale, l'organisation de l'émission me dit « Tu vas chanter une chanson en chinois devant des millions de téléspectateurs. » Je dis « Bon, ben, de toute façon, j'ai pas le choix, ok ?» Donc je choisis une chanson qui s'appelle « Tien Mimi », qui est assez facile, relativement facile, on va dire. Et je me retrouve sur scène, devant des millions de téléspectateurs, à chanter avec une star chinoise et des danseuses derrière moi. On a parlé d'escalade linéaire, mais il y a aussi de l'escalade en monde ouvert. Dans les derniers Assassin's Creed, il est possible de se déplacer librement sur quasiment tous les murs et avec très peu de challenge, si ce n'est celui de changer occasionnellement de direction. On a donc une escalade qui peut facilement casser les règles énumérées plus tôt. Par exemple en demandant au joueur de grimper à un large édifice, ce qu'il peut faire en spammant la touche de saut tout en maintenant le stick directionnel vers le haut. En vrai, ces édifices sont plutôt rares, et les mondes des différents assassins sont en général très denses de petites structures. On le voit par exemple très bien avec Assassin's Creed Unity. Mais putain, il y a tellement de trucs à faire à côté de l'aventure principale. Je veux dire, jouer à Zelda Breath of the Wild en ne faisant que l'aventure principale, c'est comme prendre une salade au McDo ou faire un bisou sur la joue à Jennifer Aniston alors qu'elle s'offre à nous nue, ou réussir à choper un caleçon de Justin Bieber sans prendre le temps de le renifler. Non, en fait, c'est pas ce que je voulais dire. Les quêtes annexes sont nombreuses et plutôt variées. Y a pas que des quêtes FedEx où c'est genre « Bonjour, notre village a été détruit par un gang de cigales born. Pourrais-tu aller chasser du coquillage mutant sur la plage? Si tu en tues deux, je pourrais reconstruire notre village, hein, nique ta mère. » C'est le parc pour la première fois, il reçoit des mains du PDG un très joli celluloïde. Oui, Blanche-Neige recevant la pomme empoisonnée des mains de la sorcière. Tout un symbole. Premier établissement à ouvrir au public dès le 1er août 91, le camping de Buffalo Bill permet aux amateurs d'assister à la pose de la dernière tour du château. Pour pallier au ciel gris de la région parisienne, celui-ci est peint en rose afin d'ouvrir un peu de couleur au paysage. 29 attractions sont déjà prêtes à l'ouverture, et là où de nombreux concurrents présentent des paysages lunaires lors de leur inauguration, comme le Futuroscope, hein, chez Mickey, on a le sens du détail. La pelouse et les massifs arborés, et les quelques 54 000 arbres plantés pour l'occasion offrent un ensemble presque naturel. Il y a Dumbo, il laisse pas avancer, tu l'as fait peur. moi je dis on follow Dumbo. Ah, j'avoue qu'on le suit. Allez. Allez Dumbo, c'est toi qui fais les calls. Ah, attends. S'il se retourne, c'est épique. Aucune idée de ce qu'on fait. Il a l'air vachement concentré quand même. Ah, y'a des mecs là-bas qui construisent, non? Je sais pas. Moi je vois rien d'ici. Moi non plus, y'a Clic qui a la vision. Psst. J'ai envie de le buter pour avoir la vision. Non, je veux pas le buter, mais... Avec la dextérité qui faisait sa renommée, en évitant de tuer autant que possible les soldats russes qui ne lui avaient rien fait. Oups. Calmez-vous. Et tomba ensuite sur un camp ennemi et ça tombait bien, il fallait faire le plein de médicaments, munitions et surtout la bouffe putain. Mais cette joie soudaine lui valut de se faire repérer. Toujours la même formule, des calmez-vous et des massages no homo. Quand même pas bien compliqué de traverser une base sans éveiller les soupçons. Ocelot accompagné de ses sbires, qui ne réagissent qu'au miaulement, tombèrent ensuite sur Snake par on ne sait quel miracle vu toutes les précautions prises en termes de discrétion. Ocelot voulut un nouveau duel revanche contre Snake, avec cette fois-ci deux revolvers, de quoi le prendre enfin au sérieux. Pour au final un duel plutôt ridicule à base de tu ne m'attraperas pas, d'affrontement à la loyale, ou pas abruti, de rechargement à découvert et d'utilisation de l'environnement. Après un duel mémorable, non, ça bordel c'est un duel mémorable, ça c'est attrape-moi le cul si tu peux. Donc après le duel, un membre de l'équipe Cobra arriva avec ses pouvoirs d'apiculteur lui permettant de contrôler les frelons. Heureusement Ocelot maîtrisait la technique de l'hélice d'avion. Ou alors il avait juste kiffé le film Matrix, Snake lui maîtrisait la technique du je me casse d'ici.